Unité 3. Les technologies de l'information et de la communication. Prête-moi ta tablette. Semaine 14 et 15. Sabrine, dis-moi maman, je peux utiliser la tablette pour jouer à mon jeu préféré? La maman, oui Sabrine, mais pas tout de suite. Je te conseille de faire tes devoirs d'abord. Sabrine, d'accord maman. Et je pourrais utiliser les écouteurs? La maman, non, je te recommande d'utiliser le micro de la tablette pour écouter. Sabrine, pourquoi maman? La maman, tu augmentes le volume très fort alors que tu as intérêt à le baisser pour ne pas avoir mal aux oreilles. Sabrine, oui, t'as raison maman. Frère de Sabrine, Mayed. Et moi, je pourrais avoir la tablette après pour regarder un dessin animé? La maman, non, le mieux serait de le regarder ensemble à la télé. Le papa, oui mes petits, il est recommandé d'utiliser une technologie avec un grand écran et de se tenir éloigné de la lumière de la télé. La maman, c'est pour éviter d'avoir mal aux yeux. Unité 3. Les technologies de l'information et de la communication. Prête-moi ta tablette. Semaine 14 et 15. Sabrine, dis-moi maman, je peux utiliser la tablette pour jouer à mon jeu préféré? La maman, oui Sabrine, mais pas tout de suite. Je te conseille de faire tes devoirs d'abord. Sabrine, d'accord maman. Et je pourrais utiliser les écouteurs? La maman, non, je te recommande d'utiliser le micro de la tablette pour écouter. Sabrine, pourquoi maman? La maman, tu augmentes le volume très fort alors que tu as intérêt à le baisser pour ne pas avoir mal aux oreilles. Sabrine, oui, t'as raison maman. Frère de Sabrine, Mayed. Et moi, je pourrais avoir la tablette après pour regarder un dessin animé? La maman, non, le mieux serait de le regarder ensemble à la télé. Le papa, oui mes petits, il est recommandé d'utiliser une technologie avec un grand écran et de se tenir éloigné de la lumière de la télé. La maman, c'est pour éviter d'avoir mal aux yeux. Unité 3. Les technologies de l'information et de la communication. Prête-moi ta tablette. Semaine 14 et 15. Sabrine, dis-moi maman, je peux utiliser la tablette pour jouer à mon jeu préféré? La maman, oui Sabrine, mais pas tout de suite. Je te conseille de faire tes devoirs d'abord. Sabrine, d'accord maman. Et je pourrais utiliser les écouteurs? La maman, non, je te recommande d'utiliser le micro de la tablette pour écouter. Sabrine, pourquoi maman? La maman, tu augmentes le volume très fort alors que tu as intérêt à le baisser pour ne pas avoir mal aux oreilles. Sabrine, oui, t'as raison maman. Frère de Sabrine, Mayed. Et moi, je pourrais avoir la tablette après pour regarder un dessin animé? La maman, non, le mieux serait de le regarder ensemble à la télé. Le papa, oui mes petits, il est recommandé d'utiliser une technologie avec un grand écran et de se tenir éloigné de la lumière de la télé. La maman, c'est pour éviter d'avoir mal aux yeux. Unité 3. Les technologies de l'information et de la communication. Prête-moi ta tablette.
semaines 14 et 15. Sabrine, dis-moi maman, je peux utiliser la tablette pour jouer à mon jeu préféré? La maman, oui Sabrine, mais pas tout de suite. Je te conseille de faire tes devoirs d'abord. Sabrine, d'accord maman. Et je pourrais utiliser les écouteurs? La maman, non, je te recommande d'utiliser le micro de la tablette pour écouter. Sabrine, pourquoi maman? La maman, tu augmentes le volume très fort alors que tu as intérêt à le baisser pour ne pas avoir mal aux oreilles. Sabrine, oui, t'as raison maman. Frère de Sabrine, Mayette. Et moi, je pourrais avoir la tablette après pour regarder un dessin animé? La maman, non, le mieux serait de le regarder ensemble à la télé. Le papa, oui mes petits, il est recommandé d'utiliser une technologie avec un grand écran et de se tenir éloigné de la lumière de la télé. La maman, c'est pour éviter d'avoir mal aux yeux. Unité 3. Les technologies de l'information et de la communication. Prête-moi ta tablette. Semaine 14 et 15. Sabrine, dis-moi maman, je peux utiliser la tablette pour jouer à mon jeu préféré? La maman, oui Sabrine, mais pas tout de suite. Je te conseille de faire tes devoirs d'abord. Sabrine, d'accord maman. Et je pourrais utiliser les écouteurs? La maman, non, je te recommande d'utiliser le micro de la tablette pour écouter. Sabrine, pourquoi maman? La maman, tu augmentes le volume très fort alors que tu as intérêt à le baisser pour ne pas avoir mal aux oreilles. Sabrine, oui, t'as raison maman. Frère de Sabrine, Mayette. Et moi, je pourrais avoir la tablette après pour regarder un dessin animé? La maman, non, le mieux serait de le regarder ensemble à la télé. Le papa, oui mes petits, il est recommandé d'utiliser une technologie avec un grand écran et de se tenir éloigné de la lumière de la télé. La maman, c'est pour éviter d'avoir mal aux yeux.